Nous la montons la montagne. Ok, c'est parti. La marche, c'est l'ouverture de l'esprit aussi, c'est de se retrouver aussi soi-même, de réfléchir à sa vie et de se recentrer sur soi en fait. Dans la vie actuelle des choses, on est tous connectés. On ne prend pas le temps en fait de se poser un moment et de réfléchir à sa situation et de voir où on sera demain, quoi. Mais ils sont plus chers. Prends si t'aimes bien. Mais tu veux pas attendre demain matin d'y aller. Pour tes 20%, comme ça, moi j'appelle Fly Emirates là. C'est qu'il y a eu des modifications là pour certains billets. Il faut que je les appelle pour voir ce que c'est. Je m'appelle Remadi Linda, j'ai 29 ans. Je suis chargée d'accompagnement de projet au sein de l'association L'Étincelle. Et je suis chargée du projet Marché pour réussir. On est là aujourd'hui pour parler du projet Népal. Moi, ce qui m'a motivée à faire le projet, c'est que voilà, j'habite le quartier depuis toujours. Ça fait, j'ai connu des périodes de chômage où je rencontrais des chômeurs aussi sur ces périodes-là qui n'arrivaient pas à s'en sortir. J'ai parlé, depuis que je suis à l'Étincelle, il y a pas mal de jeunes qui sont venus me voir pour l'insertion professionnelle. Mais à travers le professionnel, avant de réussir à s'insérer professionnellement, il faut qu'on arrive à s'insérer socialement. On ne peut pas prendre un travail et ne pas être prêt, en fait. Et je me dis que tout ce parcours-là, il permet à des jeunes de débloquer quelque chose chez lui pour que demain, il soit mieux dans sa vie de tous les jours, quoi. Et que pour aller trouver un travail, ouais, bah, qu'est-ce que t'as, l'employeur, quand il lui dira qu'est-ce que t'as fait plus que les autres et pourquoi je te prendrais toi, peut-être que de dire, ouais, j'ai gravi ce mont au Népal, ça pourrait lui permettre à lui de prendre le poste qu'à un autre. Je m'appelle Arthur, je viens d'avoir tout juste 22 ans. J'adore la nature, je kiffe marcher, la rando, tout ça, c'est le gros kiff aussi. Donc, dès qu'il commence à faire beau, machin et tout, je pars avec mon coloc et on fait tente dans le sac à dos et on trace dans la campagne. J'ai 21 ans, je m'appelle Milo. Je vois autour de moi, les gens ils vont dans des voies, ils ont déjà un chemin un petit peu tracé, tu vois. Et moi, je commençais à en avoir un qui se dessinait, et c'était pas du tout celui que j'avais envie de prendre. Du coup, je me suis dit prendre du temps pour moi, pour réfléchir, justement. T'es gros fumeur avant? Non, j'ai jamais été gros fumeur. J'ai jamais été... 5-10 par jour? Moi, j'étais à 5-10 par jour, et là, j'essaie de passer en dessous de 5. Je suis en dessous de 5. Ah, d'accord. Le but, c'est d'arrêter. Le but, c'est d'arrêter exactement. Avec projet au Népal, ça aide un petit peu à se motiver. Ouais, c'est cool. Les cigarettes au Népal, c'est difficile. Ouais, exactement. Stop ! 1, 2, 3 et un pivot tout de suite, ok ? On se déplace. Hop, voilà. Celui-là, là, le bras opposé. Je m'appelle Patrick Moussabou. Voilà, j'ai 33 ans. Je suis né au mois d'août. Je suis à Lyon. J'ai actuellement un contrat relais adulte. Pour le club voilà, non plein voilà, contact. Pas 10 000 coups, je t'ai dit. 1, 2, 3. C'est un projet qu'on peut faire qu'une seule fois dans sa vie. Je dirais que ça permet de dire ça fait ça aussi, ouais. Ouais. Tu y as participé à cette aventure-là. Bagage enregistré. 35 kilos. Oh, bah c'est cool. Ensuite, mais on n'aura jamais 35 kilos. Ouais, non, mais tu vois, si tu vas avoir des bouteilles, si tu vas avoir des liquides et tout. Iman, elle nous parlait de ses shampoings, tu vois. Ouais, Iman et ses shampoings, elle va se laver quand on sera de retour à Katmandou. Elle aura des dreadlocks. Elle ferait du reggae. Il faut ramener ce que t'as acheté hier aussi, les crèmes, coton-tige. Ouais. Shampoing après shampoing. T'as pas prévu de prendre des trucs de premiers soins et tout, genre bizarre? Genre des pansements et tout, non, t'avais pas prévu ça. Bah, ça paraît logique en vrai. Hein. Tu peux facilement te blesser ou on sait jamais. Ouais, c'est vrai, non, mais
mais je sais pas, je pensais que s'il y avait quelque chose, c'est eux qui me soignaient. Le confort, hein, toujours. Je m'appelle Imane Kalouchi, j'ai 19 ans. J'ai travaillé beaucoup dans la garde d'enfants à domicile. Et puis après ça, bah, j'ai commencé à travailler à l'hôtel et puis depuis, bah, j'ai toujours travaillé là-bas, quoi. Après, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas énormément d'expérience, j'ai pas de diplôme, voilà. Ma fille que j'aime. Je sais. Déjà hier, je pleurais au travail parce que c'est normal. Sérieux. Ouais, j'étais avec Océane. Je t'ai même pas compris, pourquoi? Ben, c'est normal, toi, tu es stressée, moi, c'est pareil. Hein. Depuis que tu es née, on n'a pas coupé le cordon, c'est normal, tu es toujours avec moi, ma fille. On m'a sollicité pour préparer les jeunes physiquement, donc footing, renforcement musculaire, beaucoup de mental, c'est-à-dire l'entraînement de boxe aussi, c'était plus pour le mental la boxe. Et après, sur place, de l'encadrement, de motivation. Je m'appelle Simon Yao, j'ai 22 ans. Ma situation actuelle, je sors d'un service civique et puis je suis en recherche d'emploi en ce moment. J'ai fait des études préparation au concours d'infirmier et ça m'a pas plu, j'ai loupé des concours et tout, j'ai lâché. Et du coup maintenant je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi exactement faire. Qu'est-ce que vous allez faire, c'est moi, qu'est-ce que ça va vous motiver, c'est vous allez profiter de chaque marche. Vous voyez, c'est pas vous juste dire, ok, aujourd'hui, nos points, c'est arriver là-bas et rester là, passer la nuit et le lendemain, continuer. Vous appuyez chaque moment. Okay. C'est ça qui est important. C'est ça qui est cool. Vous marchez, vous arrêtez, vous faites une pause, vous admirez la nature autour. Et voilà, il faut faire ça. Et comme ça, ça vient plus facile. Et rigolade. Surtout, ouais, n'hésitez pas à faire des blagues avec des copains. Ça, c'est clair. Partir dans un endroit où on ne connaît pas grand-chose, ni les cultures, ni la langue, c'est loin, simplement. Aller loin de chez soi, ça fait peur. C'est un truc simple. Après, c'est un truc qui donne envie aussi, tu vois. Mais non, en soi, je ne suis jamais allé aussi loin. Je m'appelle Touré Bafadé, j'ai 18 ans. Je viens de sortir d'un bac pro froid et clim. J'ai fini ça l'année dernière et du coup là je travaille un peu en intérim et j'ai eu un CDD, j'ai terminé et voilà. Ma famille elle pense que c'est bien déjà, elle m'encourage. Ils pensent que c'est une chance, que eux-mêmes ils ont payé cette chance-là. Donc c'est à moi de la saisir pour aller jusqu'au bout. Ah, mais c'est loin ou quoi ton truc là? Après on peut s'arrêter comme on veut. Est-ce que c'est loin ton machin? Tout est bon, c'est là, on est là. Non, mais est-ce que c'est loin? Voilà, non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Si, reste. Non, mais je vais pas te mentir. C'est rien de me dire c'est okay, là, j'y comprends rien. Parle en français, mec, c'est où? Il y a 20 minutes là. Ouais, encore rien. Ah, 20 minutes, bah c'est bon. Ouais. 20 minutes, on dans la tête, voilà. En fait, c'est pas pour me prouver à moi
que j'ai voulu aller jusqu'au bout. Honnêtement, c'est pour les jeunes, parce que ça aurait été moi, je crois que j'aurais lâché depuis le deuxième mois du projet. Nous avons organisé une soirée à l'Hôtel de France dans l'objectif de récolter des fonds en fait, pour notre projet. Et donc notamment en récupérant toutes les entrées, parce qu'il y avait un concert. Et aussi à cette soirée-là, on a pu rencontrer des chefs d'entreprise qui nous ont laissé leurs contacts pour après le trek, pour pouvoir mettre en lien les jeunes et dans les entreprises. Le but de la manœuvre, c'est quand même de tenter cette ascension pour attirer l'attention et pour montrer aussi aux futurs employeurs potentiels que, en gros, vous en avez sous le capot et que vous êtes prêt à faire beaucoup pour y arriver. Quoi. C'est ça l'idée. Ben, c'est magnifique. Très bien. Moi, je le ferai pas. Merci de prendre garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Oh là là, ma petite mère, elle va me manquer. Mon téléphone, il va me manquer. Vas-y, commence avec la carte que tu veux. Mais vaut mieux t'éliminer les petites avant que les grandes. On double l'entrée pour ça, pour faire pas de rythme. Where do you come? I come. Tu vas où? Ah, Where do you go? I go to the Nepal. Mentalement, je me sens prêt. Et physiquement aussi. Du coup, j'apprends pas trop ça. Je mets ça ailleurs dans ma tête. Cette annonce concerne les voyageurs à destination de Bruxelles. Des difficultés de circulation, retard de TGV de 7h07. C'est parti pour le Népal. C'est parti pour le Népal. Voilà les retardataires. Voilà, je suis mort là, c'est même pas. Voilà, on était en train de parler, mais avec un anglais écorché, mais on arrive à se comprendre, on arrive à très très bien lui parler. Voilà, des dégâts. Je me rappelle après. Allô? Putain, ça c'est trop. Moi, ça marche très très bien. Je pense que les jeunes, ils vont être déconnectés, oui, parce qu'on est dans un lieu différent du nôtre, on aura moins de réseau pour être connecté à nos téléphones et tout.
Après, je pense qu'ils auront quand même leur téléphone en main pour prendre des photos parce que le paysage, il sera magnifique. Mais on n'aura pas la Wi-Fi là-haut, quoi. On sera là, seul au monde, hein. Il faudra profiter du paysage. Je t'ai dit, garde que deux t-shirts. Parce que, en vrai... Non, mais regarde, elle a pris deux vestes. À vous, il faut qu'elle ait cette veste-là ici. Elle a l'autre veste de randonnée comme moi. Ah ouais, celle-là, laisse-la. Ça servira pas. Mais là, il est trop carrément trop. Ouais, ouais, tu regardes. Et normalement, tu vois, c'est ça. Normalement, celle de rando, je vais pouvoir passer ta main derrière. Quand tu l'as en marche, ouais. Normalement, pour éviter de se casser le dos. Entre au Riemann. Mon kiki. Faut que je stabilise mon sac, moi, voilà. Il est pas du tout stable, il me déséquilibre. Faut que je serre mes chaussures. Ils vont me détester, là. Mes chaussures, elles sont pas serrées, elles se barrent. Tu es contre toi. Ouais, t'as vraiment. Ah ouais, pff, des dégâts. Merde. Ça va ou quoi? Non, je vais finir par serrer ma chaussure tout à l'heure. Elle est pas serrée, je perds ma chaussure. Allez, viens, Linda, viens. Mais là. Non, t'inquiète, ça va, voilà. Regarde comment il marche, l'autre. Franchement, ah, c'est magnifique. Moi, je prends toi, Inès. Namasté. 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 Non, bah, vous allez pas vous charger. Merci. La première montée, la première corsée là, elle était... Celle qui me disait bonjour, c'était intense. Parce que c'était à froid, on est arrivé en voiture. Ah, c'était dur, c'est vrai, la première marche là, elle était dure. Pose bien ton pied avant de pouvoir pousser dessus. Namasté. J'ai la tête qui tourne. Pense à respirer, sur chaque marche, faut que tu respires. Donc chaque marche, c'est une inspiration. Allez, vas-y. Attends. Sur chaque marche, faut que tu aies une inspiration et une expiration. Je peux pas. Non, là, je vais faire. Mais vas-y, envoie ton sac là, tu pourras pas le faire. Ça va... Si, je vais le faire. Je vais pouvoir. Moi, je propose qu'on relaye, on se relaye pour porter le sac de Linda parce qu'elle ne plus tiendra pas. Tu peux me mettre. Non, mais attends, laisse-la. Là, on a deux heures, on essaie de la faire monter tranquille. Oui, pour le mental, on peut essayer. Non. Mais objectivement parlant, elle ne tiendra pas. Comme c'est le premier jour, vaut mieux laisser. On va la laisser pour le premier jour, histoire que psychologiquement, elle se mette dans les conditions, je suis d'accord. C'est comme si le premier jour, donc on va laisser. Par contre, demain, après-demain, on verra. Faut qu'elle prenne à chaque fois. C'est pas toujours comme ça, hein, donc il y a des moments cool. Namasté. Vérifier la chambre, les serviettes, les affaires dans la chambre. Ah, c'est bien plié, mon ami. Faut être ordonné dans les affaires. Sinon, on s'y perd. Bon, il y a des rooms, ça, tu regardes, ça peut rouler. Ok. Donc, c'est bon alors. Oui, je crois. Vous êtes prêts? On est prêts.
Oh, faut que je mette la crème, j'ai zappé mon arc. Oh. Ah. Milo. Ouais. On est prêts, on est tous prêts, on est tous là. Il y a une serviette là-bas, je vois. Je sais pas si. Non, c'est un qui traîne à la fenêtre. Ah oui, là-bas. Ouais. Bon, namasté, dom dom. Mon téléphone, il est où mon téléphone? Ah non, t'as vu? Il est là. Ah non, t'as vu? Fais attention, t'as des pierres, elles sont pas très très solides, mais ça va. Allez, alhamdoulilah, aujourd'hui. Elle est où votre corps? Vous n'avez pas quelque chose de là, on redescend là, vous avez vu? Nous, on doit monter, on doit passer le col. Il y a des serpents, Swan. Hein, Swan, il y a des serpents. C'est des venimeux ou pas des venimeux? Ouais. Franchement, c'est magnifique, franchement. Sérieux, c'est magnifique, les gars, là. Aïe, on a trouvé la prochaine photo de profil. Ah oui, hein, c'est pas la vie. Hein. On porte des sacs Leclerc. La vie n'est pas facile pour eux. Ils travaillent pour peu, ils durent, plus durs que nous. Et ils ne se plaignent pas, contrairement à nous. Ça s'offre comme ça là? C'est un avec peu une bonbonne, juste comme ça. Et en deux secondes, t'as de l'eau bouillante. Ça fait 1 minute 30. Quoi, 1 minute 30, tu sais, ça boue. Tu peux pas nous préparer un raclette? Ouais, un raclette. Ah, ce serait le bonheur. Namasté. Namasté. Regarde celle-là, comment elle est enflée. Ah oui, mais non, mais moi, je sais pas comment c'était bien, peut-être c'était comme ça. Non, c'était pas comme ça, voilà. Bonjour. Commence pas à tricher, toi. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Attends, cousin. Oh. Hey. Détends-toi. Hey, man. Man, problème with you. Non. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh, oh. Five. Attends là. Descends. Toi, un problème à chaque fois ici. Hein. J'ai goûté goûter pour les sauvages là. Ah, tu vois, ils sont sauvages ici. Je sais pas si ça change des choses. Si, le poulet faire le poulet en enlevé en plein air là. Rien à voir. Il y a rien de mieux. Ouais. Le coq et tout qu'ils ont. Vous avez pas vu le coq quand vous. Si, j'ai vu le coq tout à l'heure là-bas. Ah ouais, c'est vrai, il était balèze. Ils sont balèzes là. Je vais te montrer une vidéo, un coq qui fait 1 mètre. Alpho, bravo. On a commencé à démarrer le groupe. On va faire du sale. Passe tes lunettes. Comment il voit? Oh là là, alors là tu vois, c'est ce qu'on appelle des lunettes de vitesse parce que tu vas extrêmement vite avec ça, tu vois. L'aérodynamisme. Tu vois là, avec le chapeau vers l'avant, tu peux y aller, tu vas vite. Linda, t'es où? Ça sert à rien. 1, 2, 1, 2, Linda, on est inquiet. Chocolate. 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 Chocolate.
Allez, Swan, dis voilà. Tu vas en fumer. Voilà. Tu vas en fumer beaucoup voilà. De voilà. Oui, voilà. C'est le poulet, chicken chicken, how le mec. Obligé de prendre un snap, tu connais. Non. Hé, hey, j'ai raté, c'est pas grave. Tout le groupe, c'est pas des gens sur lesquels j'aurais misé une cacahuète pour partir en vacances avec eux. Donc ouais, tu te retrouves avec d'autres personnalités, d'autres personnes, pas forcément les mêmes centres d'intérêt et tout, mais ça l'a fait. Ça l'a fait fois 10 000 quoi, t'apprends à découvrir les gens sur le tas et ça c'est rigolo. Enfin, c'est pas des potes que tu connais d'enfance et tu sais comment ça va se passer un minimum. Là c'était plein de surprises, plein de... Avec ses bons et ses mauvais côtés. Ouais, on va repérer ensemble. Non, pas de souffrance. On va les protéger tout, comme marqueur. Ouais, exactement. On va essayer de lire que ça sera tout. Ouais, on va voir ça, les gars, je paye on va direct pour voir ça. Non, mais on le mange, on le prend ou pas? Il est balèze, vous avez vu? Vous avez vu, les gars, ou quoi? T'es obligé de manger, parce que t'es vegan. Ah ouais, non, Arthur fait un écart, s'il te plaît. Je le fasse avec ma cerveau. Attention, elle est bonne. Je dis bismillah, tu veux que je dise bismillah? Ça aura pas de sens. Allez, on y va, bismillah. Regarde, tu le fais. Il est balèze. Il est énorme. Là, un pour tout le monde, ça va pas être suffisant. Ça y est, il est balèze. Je mets la sauce sur le corps, s'il te plaît, merci. Godzilla. Oh, tiens, je mets quoi? Je mets de la sauce. Non, non, tiens, je mets limite. De quoi? Vas-y, mets et remplis. Attends, viens, et tu t'en vas. Limo! Limo! On y va. Banks to Banks, FC Nantes. Ça bouge pas. Abdoulaye Touré, toujours là en place. S'ils ont pas des champions là-dedans, en hauteur, là. Ouais, ils ont même des tribunes. Voilà. Super beau les sommets. Grave. Magnifique. Waouh Linda, tu regardes, pas... t'as pas le vertu, c'est super ça. Il y a un pont là, Linda. Hein. Oh. Tranquille, viens. Vas-y, avance. Mais non. Celui qui était derrière tout seul, il n'était jamais tout seul. Il y avait toujours une personne pour rester derrière avec l'autre pour lui dire « Allez, t'inquiète, on va réussir. » Après, on marche tous à des rythmes différents, c'est sûr. Mais ouais, il n'y en a jamais un qui est resté tout seul en difficulté. Par là.
Enfin, tu n'utilises pas ta gourde. Je la vois pas, là, c'est bon. Tu vois là ? Ouais. J'ai un échange de gourde, non, après. D'accord. Non, mais je vais mettre de l'eau minérale dedans. Ah, de l'eau minérale. Bon, non, celle-là, ça me fout les graines, il y a du coup de plastique en moitié. Moi aussi. Ouais, non, mais ça rien. Mon frère, vous faites le truc faisouge, mon frère. Puis tout à l'heure, il s'arrête. Bah, allez-y, là. Non, dedans, mon frère, faut qu'on a fait, on n'a pas pris. Non, sérieusement, attendez pas, c'est tout, voilà. Si on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour... C'est clair, mon frère, quand même, ça fait trois fois qu'on vous attend comme ça, on a même pas mais fait 200 mètres. Mais partez, ne nous attendez pas, Karim. Je t'ai parlé, Linda. Je t'ai pas parlé, je parle à Patrick, là. Je ne mêle pas quand je parle à Patrick, Linda. Pareil, c'est non, mais c'est je parle à Patrick, là, je t'ai pas parlé, toi. Toi, je sais que toi, tu restes derrière avec le Sherpa. C'est ce qu'on fait, voilà. C'est qu'on a toujours un guide assistant qui est devant. Ouais. On a toujours des Sherpas qui sont tout derrière. Ouais. Donc, on ne peut pas voilà. Contre. Ce va courir si tu veux courir. Cours, va. Attends, vas-y. Il ne faut pas laisser un grand espace. Voilà. Juste après, voilà. On n'est pas perdu comme ça. Voilà. Ah, c'est éprouvant quand même, hein, psychologique. La vie de groupe. J'étais déjà parti en groupe, j'étais avec des potes et j'avais déjà trouvé que des fois le groupe était étouffant. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de temps pour moi, assez seul. Ce qui m'a des fois été un petit peu reproché aussi, mais du coup, c'est une des parties du voyage que j'ai beaucoup appréciée, c'était de me retrouver un petit peu tout seul. J'en mets pas généralement, j'en mets jamais. Mais là, tu vois, j'ai viré au rouge. Moi, j'en mets jamais. Non, mais après, le climat, c'est pas pareil en fait. Plus on monte, en altitude, c'est pas le même climat. Donc voilà, le soleil, tout ça, c'est... Tiens, Rémi. Baffé, t'as pas besoin, ton frère. Ah ouais. Ah si. Pourquoi? Si, il avait besoin. J'ai besoin aussi. Oui, oui, oui. Moi, je connais pas. Baffé, je vais te manger. J'ai jamais mis ça de ma vie, moi. J'ai... Namaste. Amma. Namaste. Amma. Quoi? Parfaitez. Regarde ça, mon frère. Marcher pour réussir et qu'il te sorte avec soin en avant. Là j'y vais à l'arrière. C'est dingue à la montagne, on va la gravir. Il faisait trop chaud, il y avait la chaleur, j'avais soif. En fait les escaliers ils étaient interminables, on les voyait, ils étaient vraiment interminables. Et ce jour-là, j'étais vraiment à bout, je pleurais et je montais. En fait j'avais pas le choix de toute façon que de monter. Cheval, il était marrant et tout. Normal, il descendait les escaliers. Hop. C'était incroyable. La meuf en rouge et le mec en noir là-bas. Quand elle montait, j'ai dit c'est une big star en France. On est arrivé là où il faut. Là, c'est juste la pause. Non, on est arrivé, on mange, on pose la salle. J'espère que demain il va pleuvoir pour marcher, plus de soleil jusqu'à la fin du trek. Tu mets combien soit sur 20 ? 20. C'est dommage, il n'y a pas plus de 20 en fait. Ah, c'est dommage. On le met, on prend. Venez là, on commence tous comme ça. On commence comme ça. T'as souffert là, sans revanche. Voilà. Putain, tout le monde a souffert, crois-moi. Voilà, il se coupe bien. Je voyais une daronne, une ancienne, plus âgée que vous. Elle avait des mollets, là, chétant. Mais des mollets illégales, hein. Je te jure, elle s'arrêtait tous les 10 minutes. Une grosse banane dans la bouche. Et repartait direct. Y'a rien, ça. Demain, on va se motiver encore plus. On va alléger encore les sacs. Si, on va les alléger. Arrête tes conneries. On va commencer à acheter des trucs, sinon... Sinon on est obligé de couper des cheveux, c'est pas bon. Arrête tes conneries. Oh mais c'était trop dur.
Allez, on va. Puis après, on va aller se baigner, on va aller dans les chercher de chaud. T'as mis la photo qu'ils nous ont vendue, les palais. C'est une petite perle, un petit joyau de là-bas. Franchement, on l'a rendu fou comme équipe. Hein. Sérieux, il faut dire la vérité. Hein. Entre les retards de se lever, entre les bavardages, entre les crises, les gaspillages, on lui a fait subir pas mal de choses et il était calme. Mais calme, zen. Namasté, namasté. Franchement, merci à lui, hein, sérieux. Parce qu'il faut le supporter, l'équipe comme nous. Est-ce que tu t'engages à prendre pas plus de 10 photos par jour? Non, mais attends, mais il n'y a pas que bafouder. Je pense qu'on peut le faire. Ça, on peut commencer un engagement pour tout le monde en vrai, ça, le portable. Non, mais en fait, je comprends pas. Sans déconner. Là, je crois que des photos en plus, j'ai plus de mémoire. Bon, allez, tout le monde, attends, regarde du moteur. En plus, tu passes tes soirées au téléphone. Ouais, mais je parle avec mes parents, normal. Ouais, mais 5 minutes, ça suffit. Pourquoi? Oui, alors, je suis désolé, bien, si tu veux pas leur parler, parle-leur pas, moi je leur parlerai. Cool. Et pourquoi tu dis que tu parles à tes parents? Tu dis wesh à ton père, toi ou à ta mère? Non. Ah, non, je parle à mon zinco aussi. Oh, mais non, c'est ça. Juste avant de partir, je travaillais pas du tout. Et là maintenant, bah, j'ai des envies de, voilà, j'ai envie de commencer une carrière dans un truc sérieux, quoi. J'ai envie de bosser, j'ai envie de continuer une vie, de faire une vie, tout simplement. Les premiers jours, j'ai regretté parce que c'était trop dur et je pensais pas que j'allais aller jusqu'à la fin. C'était trop physique en fait. Mais après c'est y aller toute seule du coup. Il y a eu des difficultés pour tout le monde, il n'y a pas que moi qui ai été en difficulté, il y en a qui n'ont pas craqué physiquement, mais qui ont craqué mentalement. Alors, dites-moi là, c'est la galère ou c'était bien? Hein? Tu confirmes que c'était vraiment dur là? On a vu des colères, on a pu voir de la joie aussi chez tous à un moment donné. Et c'est ce qu'il faut retenir du projet, les bons moments qu'on a vécu et que même si c'est difficile, ben ils n'ont pas lâché. T'as speedé, hein? J'ai essayé. C'est bien, voilà, je suis fier de toi. Ah, mon t-shirt, comment on va passer? C'est belle la lumière. Ciao, ciao. Allez, Gola. Oh, quelle aventure! Ça, c'est le ponton népalais, donc avec le bateau, c'est pas évident partout. Juste dans ma tête, j'écoutais aussi ce que ma mère me disait, d'aller jusqu'au bout. Et donc voilà, je voulais me prouver aussi à moi-même que j'étais capable de pouvoir faire tout ça, même en pleurant. Mais je le fais quand même du coup. Franchement, tu penses à tout, tu penses à rien, tu marches, t'es là, t'es... Tu réfléchis à la vie, tu te poses des questions existentielles. Franchement, tu pars loin dans tes pensées quand tu marches, t'es tout seul. Moi, je pensais à ma vie en général.
Est-ce que c'est ça que je vise? Qu'est-ce que je veux faire? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je veux faire en rentrant et tout, tu vois? C'est vrai que tu réfléchis bien. Une question simple, est-ce que généralement tu interdis aux gens de fumer généralement, oui. Voilà. C'est simple, c'est clair. Ah oui, voilà, on a trop d'énergie. C'est vraiment une nette, en fait. Juste pour demain. Ah ben moi, ce soir, tu peux valider pour ce soir. Une seule. Au moins deux, trois, tu peux valider. Deux. Tu peux valider deux. On essaie de rester à Terre-Allée avant dernier. Il y avait beaucoup de descente. Oui. Ça veut dire que nous, demain, on va avoir beaucoup de montées. Beaucoup. Aujourd'hui, c'était plus fort. Et c'est dur de monter, hein. Oui. C'est dur de monter. On est parti pour la guerre. Hey. On y va. Allez, va fait, on y va. Moi, je t'attends, moi, je te lâche pas, moi. On part ensemble. À la vie et à la mort, mon poteau. J'ai été éduqué comme ça, de cette manière-là. Donc tu peux aider, tu vois, tu peux aider, tu motives, tu pousses les gens, ben je fais. C'est pas la question à se poser, tu vois. Sans attendre quelque chose en retour, tu vois. C'est plus que la moitié. Hein. Déjà, il peut décider. Elle n'a pas une bonne opinion. Elle n'a pas une bonne opinion. Et je sais qu'elle est en danger. Bon, vas-y, on va parler avec elle. On sait que t'es déterminé, on le sait que t'es déterminé. Voilà, on le sait. Mais on va pas. De manquer de respect, j'ai envie de manquer de respect. On n'a pas envie qu'il t'arrive quelque chose, Linda. Qu'on comprend-le. Si moi demain c'est comme ça, moi si je descends, tu crois que j'ai envie de descendre. C'est pas ça, personne. Pour l'instant, c'est pas. Tu comprennes? Ah ouais. Pour nous tous, c'est triste de tester personne. En fait, on s'est trop attaché aux personnes là-bas, donc c'était pas facile de partir comme ça. J'avais pas la tête à monter, parce que mes chaussures étaient mouillées, mes chaussettes étaient mouillées, toutes mes affaires étaient mouillées. Du coup, je voulais pas monter. Après, on m'a encouragé pour monter et je suis monté quand même. Ouh, kayak. Moi, j'ai eu du mal, personnellement, j'ai eu des soucis de santé, j'ai craché du sang et tout. Dès qu'il a commencé à faire froid, moi, c'était pas mon élément. Et c'était dur pour moi, personnellement, c'était compliqué. J'avoue que je suis un de ceux, je pense, pour qui ça a été le plus compliqué, je pense. Un quart d'heure, 20 minutes, on arrive. OK, 20 minutes, on arrive. Oui, Patrick, viens avant la rampe. J'arrive même pas à attraper quelque chose. Et là, j'enlève même pas mon sac, il me parle d'aller dans une autre chambre. J'enlève même pas mon sac. J'ai plus de doigts à montrer.
tu enlèves tes habits mouillés, tu mets tes mains dans ton frotte, mec. Surtout pas sur la tête, mec. Surtout pas sur la tête. Pourquoi pas sur la tête? Je sais pas. Premier endroit où tu perds de la chaleur, surtout pas sur la tête. Sors de la chambre et enlève tes affaires mouillées. Ah, j'arrive même pas à ouvrir quoi que ce soit. Mais je vais t'aider alors. Détends-toi. Souffre. On va y arriver. Hey, oh là, je souffre, putain, c'est pas. Regarde où on est, frérot, c'est normal. Putain, bah oui, mais c'est une mouche galère, putain. Qu'est-ce qu'on fout ici, putain de merde? Elle m'a fondé, il l'a fait. Elle m'a fondé, il l'a gagné. Hyper classe d'arriver sous la neige. Please, where is my bag? Pas faux. Je suis en neige là. Ouais, t'es en neige. Non, t'es je... en nage. Non, je veux dire, j'ai de la neige. Ouais, là, ouais t'as de la neige là. Hein. Oh non. Ah, c'est bon, t'es dans le mal. Bah, en fait, c'est le dernier lodge où on a dormi. Pour arriver à ce lodge là, c'était la mission la plus compliquée du trek. Je te jure. Il faisait... D'un coup, tu sais, t'as chaud et d'un coup, il fait froid. Ah, c'est compliqué. Les doigts, ils allaient tomber. T'entendais des cris partout, c'était la guerre civile à moitié. T'entendais Patrick. Ah, j'en peux plus. Tu regardes, il est pas en train de rigoler. Hein. Ah, il chialait le mec. Plus de doigts, poteau. Les doigts tout blancs. Tout blancs. C'était la guerre. Mais bon, ça en est sorti. Hein. Il n'est pas encore prêt là. Tout le monde est là. Si tu prends le micro, non, j'ai pas pris 7 sur le siège de coupe. Non, il y a un qui manque là encore. 9. Simon. C'est bon, ils vont pas tomber les deux. Allez. Non, ils sont. Ah, non. Viens, viens, Simon, fais-toi. Je glisse. Ouais, j'étais pas bien, de ouf. Je sais pas pourquoi, c'était toute l'accumulation de tous les jours au marché, tout comme ça. C'est obligé, il faut qu'il y ait un moment que ça saoule un peu, un truc comme ça. Donc, c'était ce jour-là. Et ouais, j'étais KO. Mentalement plus que physiquement, je pense. C'était dur. Les dernières lignes droites. La dernière ligne droite, ouais, était intense. Putain de merde, on est arrivé. Bravo, c'est pas. Bravo. Merci, merci pour ton boulot. Bravo. Non, c'est... Jackie Chan. Bravo. J'en peux plus, voilà. Bah, et puis dédicace à Linda. Ils ont surpassé le dur. Simon, il était malade. Il a souffert dès le premier jour. Il avait la gorge en feu. Il a tout fait. Il se plaignait pas. Bafaudé. 115 kilos de masse, il n'a jamais abandonné, toujours avec le sourire. Imen, persévérante. Au début, on la voyait, ouais, petite princesse et tout, mais finalement, c'est un grand mental. On va pas vider son chat. Non, c'est pas dire que ça m'a changé, ça m'a pas changé, mais ça m'a grave fait réfléchir. Mais je vais pas dire que je suis revenu un homme différent, que je suis un autre homme. Après, peut-être que je sais plus où je veux aller, peut-être que je sais plus ce que je veux faire. Ça a peut-être permis de m'orienter. C'est un sentiment de, je sais pas, de victoire un peu, parce que on se dit que on a souffert pendant le truc, pendant le trek. Je sais pas si j'aurais pas eu ce groupe-là, si j'aurais pu monter tout en haut. Je préférais avoir échoué moi qu'un jeune. Au moins,
on le vit autrement, on prend du recul. Un jeune, il aurait peut-être encore senti un échec dans sa vie ou autre. Ouais, il valait mieux que ce soit moi que quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose que je garderai, que je raconterai à mes triplés, à mes futurs triplés, tu vois. C'est un truc, je te dis, je le souhaiterais à tout le monde de le vivre au moins une fois. C'était la première fois que j'allais aussi loin d'elle, donc du coup, c'était trop bizarre pour moi. Là, maintenant, je sais que si je voyage une semaine ou deux sans ma maman, je sais que elle va me manquer, mais je sais que ça va. Je vais l'appeler tous les jours et je la revois, donc ça va. Et quand ils me disent aujourd'hui, ouais, je travaille, je sors même plus. Et je suis hyper content. Je suis fatiguée, mais je suis hyper content. Bah, pour moi, c'est une victoire.